Shalom, bienvenue dans notre émission Ensemble, parlons-en. Je suis votre sœur Angèle Miezi. Merci à tous nos abonnés et vous qui êtes connectés pour la première fois, veuillez vous abonner et vous ne manquerez pas à être connectés à chaque fois quand nous livrons nos émissions et nous livrons nos émissions. Tous les samedis, n'oubliez pas de partager nos émissions. Je vous signale que c'est une émission chrétienne, sociale, éducative, anonyme, bilingue, français, lingala. Dernièrement, nous avons parlé de la robe de gloire. Comment est-ce qu'il faut protéger sa robe de gloire? Chacun de nous, l'Éternel nous vêtit d'une robe de gloire. Mais nous devons savoir protéger cette robe de gloire. Aujourd'hui, nous allons continuer sur ce thème, la robe de gloire, et nous voulons aussi voir une personne dans la Bible qui a perdu aussi sa robe de gloire. Et cette personne, c'est Juda. Aujourd'hui, nous sommes en train de continuer ce thème et nous voulons être vraiment très, 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 très connectés sur une émission chrétienne. Voilà, comme nous avons dit. C'est une émission chrétienne, éducative, sociale, bilingue, anonyme, français, lingala. Si vous avez un sujet à nous partager, si vous avez une suggestion à nous faire, n'hésitez pas, contactez-nous au 00 33 6 10 71 00 49. N'hésitez pas, donnez-nous votre suggestion et nous ne manquerons pas à traiter votre suggestion. Et s'il faut faire une émission, nous ferons une émission parce que cette émission s'appelle Ensemble parlons-en. Ensemble parlons-en, c'est vous et moi. Bien-aimé, Juda a aussi cédé sa robe de gloire, hein, parce que il était en train de faire paître son troupeau et il lui est arrivé qu'il est parti voir une prostituée et cette prostituée lui a ôté. En fait, lui, il pensait que c'était une prostituée, mais c'était une personne qui la connaissait, qui le connaissait très bien. Et cette personne lui a ôté sa robe de gloire. Cette personne, c'était sa belle-fille. Il lui a ôté sa robe de gloire. La robe de gloire ne représente pas un habit seulement dont on dit une robe, non. Hein, dont on parle dans le vrai sens du mot. La robe de gloire peut représenter les bénédictions que l'Éternel Dieu a déposées au-dedans de toi. Hein. Les choses que l'Éternel a mises au-dedans de toi peuvent représenter la robe de gloire. Aujourd'hui, j'aimerais parler dans ce sens-là de Juda parce que beaucoup des hommes ne savent pas qu'en allant chercher une femme qui n'est pas votre femme, qui est une prostituée ou qui est une femme que vous ne connaissez pas, hein, qui n'est pas votre femme, vous êtes en train d'enlever votre robe de gloire. Donc, au long de la robe de gloire, nayo sans oyer bayango. Et ça, mi bali mingi basala kango, au tiki mama abana nandaku, au kekoluka moi si moussousou libanda, au zoye bateke, au long de la robe de gloire, nayo au long de la ma pamboli na yo nzamba tia kati na yo ozo mikanga yo moko ozo bebi sandako na yo ozo detrui libala na yo parce que ceux qui robe de gloire et longwe okomona na kati na ndako na yo bolingwe sili confiance sili mama moya solo sou confiance za te po yo moko po kokoma na ba comportement moko ezo sala ke robe de gloire ezali susute otikali mutakala. Otikali mutakala na sens te ke obilambe longwe yo me. Otikali mutakala oza susu na nguya wana te. Oza susu na confiance wana te. Oza li susu na eloko wana te o ezo sala ke oza la attaché na mwasi na yo. Donc okomi na méfiance moko bo. Epe mwasi na ope soki aza moto aza asambe la kabu ya linga. Ko ope nana solo ako sentir ke mobali nanga aza susu ndenga aza la kate. Ça veut dire qu'au père de robe de gloire, na yo, eza neti Juda awa. Juda akei, na musala o bapesa kiye, na musala bandaki ko sala, aza ko tambola, na nzela bandaki ko tambola, loko la utaki ko bungisa mwasi na ye, posa ya mwasi ya nzoto esali ye,
ake kokutana na mwasi oyo akana ki kokutana na yete. Ya kanisa ki mwasi oyo aza prostitue. Njo kande mwasi oyo atanda ki e piège. Mwasi oyo azala ki belle fille na ye. Nde ake kolongola ye kaché. Robe de gloire ya jida ezala ki nini? Ezala ki bâton na ye, cordon na ye. Hein? Ce qui tokutanga na 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 livre ya 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 Genèse Genèse 38 hein ce qui botali na Genèse 38 boko ke nokuta na soki na se trompeté na verset 18 boko ke nokuta na na Tamar Tamar azo senga Juda caché cordon na bâton na ye. Donc na tango wana Juda déjà balongola ki robe de gloire likolo ya posa nzoto. Posa nzoto ekoki ko sala ke robe de gloire na yo elongwa. Ezaka ka mibali te. Ekoza la mibali, ekokoza la pe basi. Bana na nzambe, ndenge tozo tambo la boye. Bikela mou nan kolo. Hein? Même si tu n'es pas un enfant de Dieu, un chrétien, parce que toute créature appartient à Dieu, nous sommes tous enfants de Dieu. Même quand nous marchons hein, dans la rue, tu peux rencontrer une personne. Tu ne connais pas la personne. Tu vas aimer cette personne. Tu ne connais pas vraiment la personne et tu vas te livrer à cette personne. Cette personne va te dépouiller. Elle va t'enlever ta robe de gloire. Que ce soit dans les deux sens, que ce soit homme ou femme, tu peux aussi rencontrer un homme ou une femme qui peut t'enlever ta robe de gloire. Parce que tu ne connais pas pourquoi cette personne s'est approchée de toi. Pourquoi cette personne t'aime? Souvent, nous les voyons aux femmes, en fait. Les femmes, souvent, quand elles aiment un homme, soit c'est parce que cet homme a beaucoup d'argent, parce que cet homme, il est je ne sais pas comment, et les femmes avancent vers cet homme ou disent tout de suite oui à ces hommes-là qui ont beaucoup d'argent. Ce n'est même pas par amour, mais c'est parce que la femme vise la robe de gloire. Parce que la femme vise quelque chose qu'elle veut avoir. Ndenge Tamar a salaki awa. Tamar n'a pas fait, n'a pas accepté Juda parce que Tamar aimait Juda. Tamar avait une mission particulière. La mission de Tamar était d'amener Juda contre Mir. Parce que Juda, tellement akangela ki Tamar banzela. Hein? Tamar alobi na kozwaye kaka na lolenge moko boye. Et vous voyez, ça avait marché, ça avait fonctionné. Parce que quand Tamar a tendu le piège à Juda, Juda est tombé dans le piège de Tamar. Donc nous devons vraiment faire très attention. Surtout bino bana mibali. Hein, bande konabi so mibali. Oti kaka moi sinon nandako. Moi si opposé à konde kolinga, yebi pe koza na moi si nandako. Mais akoyoka akobanga te. Akoyoka bomate, akoyoka nkelete, akoyoka mawate, azoke de kolinga mobali ya batu. Ezate paska lingi mobali wana, ezaka ka peut-être po apanza libala ya mobali wana, ou bien po ayokisa mwana mwasi wana azana nda kwa mobali wana soni, ou bien po a minimize, ou bien kaka po a détruire kaka. C'est ça, perdre la robe de gloire. Mibali mususu pe ba yaka kolinga, basi mususu, eza ayete po alingiyo. Aye kaka, ndenge bango moko ba lubaka, aye kaka po aye ba yo kaka epi atikiyo. Tango eloko wane salemi, ozo mwana teke, o pe de robe de gloire na yo. Parce que moto akoka ki kope so respect tel ki akoka kope se lo respect, oya banda ki kotalo na mosika, oya banda ki komono na mosika, apesa ka o ba valer moko boye. Moya pesa osu ba valeur wana zate parce que asia yebio deja, asia longola o robe de gloire, respect sili, ezali lokola Tamar na Juda. Hmm? Juda zaki bokulo a Tamar, mais tango Tamar ayaki ko yeba nzoto ya Juda, eke ba memama ki poto kotanga penza teti na suka, comme c'est une émission, ba memama ki ti devant ya bato, ba komi ko tuna Tamar, ba komi ko sambi sa Tamar, Tamar aye ko minimize, aye ko ridiculize Juda na miso abatu. Alongoli Juda robe de gloire. Pourtant Tamar mutunde azala ki balobi, mwasi ya botutu, mwasi ya, aye ko memela bango, malediksyon na katia libota. Mena sou kato ya ki komona ke, Tamar a ridiculiza ki Juda. Tamar alongola ki Juda robe de gloire. Tango de jo zui kache na yo tiki.
Ozui cordon na yo, otiki. Ozui baton na yo, otiki. Kache ezali elembo. Ya mwana na nzambe na kati ya, ya nzambe na kati ya mwana na nzambe. Tango dejo ke kope sa kache na yo. Sabe ni ke lembo ya mwana na nzambe. Marke ya mwana na nzambe kati na yo. Elongwe po kobi okwei deja ne kobo. Okwei na mabe. Tango tokwe ya kana mabe bandeko. Rob de gloire na biso elongwaka. Tango tokwe ya kane kobo. Rob na de gloire na biso elongwaka. Kache na biso ya mwana na nzambe. Etika la kana mabo kwa batamar. Siko la différence entre Tamar na mwasi ya Potifar. Mwasi ya Potifar akoka ke kolobelo komoko te po Bible lobi balo ba mabe po na yo me bakuta yo na ngote. Bomoni difference entre Joseph na Jida. Joseph tango akima ki mwasi ya Potifar, atiki robe na ye na maboko a mwasi ya Potifar. Bible lobi balo ba mabe po na yo bakuto na ngote. Ça c'est la parole de Dieu qui dit. Hein? Mais tango sikoyo Jida na Tamar et koma ki likambo mususu ko moni Tamar sikoyo balo ba mabe po na yo bakuto na ngote to ye ko mona sikoyo ke Tamar Jida na mabe o eloba maki Jida kuta maki na kati bozo comprendre hein? Ya mona fo ko batte la robe de gloire malamu fo ko batte la robe de gloire malamu bandeko Joseph a batte la ki robe de gloire na yeti na suka Aboya ki mabe. Jida bate la kite. Jida kuta ke ko pesa ngo ye moko volontairement ba longo li yango na bo pete nyoso. Je vais parler en français pour mes amis qui me suivent, qui ne comprennent que le français. La différence entre Jida et Joseph, Joseph avait laissé sa robe de gloire dans les mains de la femme de Potiphar. Mais Joseph a eu gain de cause parce que Joseph, comme dit la Bible, qu'on parle du mal de toi, mais qu'on ne te trouve pas dedans. Et voilà pourquoi Joseph a été justifié par rapport à Jida. Jida Tamar l'a piégé, mais comme Jida s'est laissé piéger, Jida est tombé dans le piège de Tamar. À la fin, vous allez lire cette histoire dans le livre de Genèse 38. Vous allez voir que Jida s'est retrouvé ridicule devant cette situation que Tamar lui avait imposée. Parce que Jida avait accepté d'enlever sa robe de gloire, d'ôter sa robe de gloire. La Bible dit, si on parle du mal de toi, qu'on ne te trouve pas dedans. Mais le mal qu'on disait pour Tamar, il était engrossé. Et quand on a voulu le juger, la condamner, Tamar a sorti les bâtons et les cordons et les cachets qui avaient laissé des traces. C'était la grossesse. Et si peut-être que Tamar n'était pas tombée enceinte, peut-être que Jida allait dire que non, ce n'est pas moi, mais Tamar est tombée enceinte et la robe de gloire de Jida s'est retrouvée dans les mains de Tamar. Voilà pourquoi des choses peuvent arriver, les scandales peuvent arriver, mais nous les enfants de Dieu, nous ne devons pas être l'objet ou la porte de ces scandales. Parce que Dieu a dit, le scandale arrivera. Mais malheur, par qui le scandale rentrera? Voilà pourquoi nous devons protéger la robe de gloire, bien-aimés, dans le Seigneur. Même si vous n'êtes pas chrétien, vous qui m'écoutez, vous qui me suivez tous les jours, tous les samedis, protégeons la robe de gloire. Protège-toi, protège ta famille, protège ton mari, ta femme, tes enfants. Protège-toi, protège ce que Dieu a mis au-dedans de toi. Protège ce que tu es. Protège la robe de gloire. Nazolo ba surtout na mibali oyo. Batika ka basi na bango. Obimi okeyi. Oke na yo sali buzoba na yo. Osali bo soto na yo. Ozongi pe na ndaku, okanisi mwasi na yo ayebite. Mais moi, si nous yebite à solo, mais nous avons yebi. Ou yebite kozo tika robe de gloire na yo.
Basi mousou ba koka kota la on a mis soa respect. Vous savez, je vais vous donner un témoignage, en fait, pas un témoignage, je vais vous parler d'une chose. Il y avait une femme qui était tombée dans un problème scandaleux, qui était, ça peut parler de l'adultère, ça peut parler de l'impudicité. Et j'ai vu un homme s'approcher de moi. Cet homme m'a dit ceci. Il me dit, maman, en tout cas, de la façon dont je considérais cette sœur, j'avais le respect pour cette sœur. J'avais peur de cette sœur-là. Quand je la voyais, je voyais, je ne sais pas, je la respectais tellement que vu toutes ces choses qui viennent de se passer là, je la considère même plus. Pourquoi cette personne est venue me voir et me dire ça? Parce qu'en fait, l'homme a vu que la femme avait perdu sa robe de gloire. La sœur avait ôté sa robe de gloire. La sœur avait perdu sa robe de gloire. Frère, ce n'est pas seulement les sœurs qui peuvent perdre leur robe de gloire. Les hommes aussi peuvent perdre leur robe de gloire. Toi, un homme, moi, si je suis à la table, je ne suis pas à la respecte, je ne suis pas à. Mais quand on y est na buzo ba pembe ni na yé, hein, omi kiti si, yo moko mi longoli na robe de gloire. Mais respect à banaki kopé sa yo, a kopé son soute parce que yo moko o longoli robe de gloire wana. Moyen mouta respecte o susu, ezate. Eza même na bisika na biso a misala bandeko. Place to kende ko sala, o kolo ba pene en église pe toto bimaka mo santo. Hein? Na famille na bino na nzinga nzinga na yo obimaka mo santo mena musala na yo ndenge nino se comportaka. Est-ce qu'on garde ka robe de gloire na yo? Là où tu travailles, comment est-ce que tu te comportes? Gardes-tu la robe de gloire? Qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu te comportes dans le lieu de ton travail? Comment est-ce que tu te comportes? Est-ce que tu gardes ta robe de gloire? Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, nous les enfants de Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Nous, créatures de Dieu, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y en a ma kamoussou, si vous êtes au bandit, vous avez dit, oh, n'a pas de salaté. Oh, et c'est une réalité pour nous. Pour nous, nous avons dit, on a battu la camp. Et ça, nous avons dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, zemi ya molimo. On a dit, zemi ya molimo, bandeko. Si on a dit, zemi ya molimo, on a dit, on a dit, on a bunda te, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, parce que on a la fausse couche. On a dit, ya molimo, tiens la robe de gloire. Gardons cette robe de gloire. Gardons cette robe de gloire. Bien-aimé, je suis en train d'attendre vos suggestions. La robe de gloire, aujourd'hui, c'était une émission chrétienne, hein, une émission spirituelle surtout, parce que nous avons parlé que de ce qui est biblique. Mais j'attends vos suggestions. Appelez-moi, je vous ai donné mon numéro et c'est aussi affiché à la description. Appelez-moi, je suis à l'écoute. Discutons ensemble, parlons des choses qui doivent nous remettre sur le droit chemin. Ndeko boya ekobo, boya moyibi, boya kofinga. Hein, arrête de juger, de critiquer, arrête de parler de choses qui n'honorent pas l'Éternel parce que tu es en train de perdre la robe de gloire. Vous savez, tout est dans la Bible, tout est dans le commandement de Dieu. Si nous respectons le commandement de Dieu, le monde sera meilleur. Le monde sera tel que l'Éternel, créateur des cieux et de la terre, l'a créé. Respectons la parole de Dieu. Marchons selon la parole de Dieu. Faisons des choses qui plaisent à Dieu, frères et sœurs. Nous sommes là pour nous remettre sur le droit chemin. Hein? Sur ces moyens de communication qui est les réseaux sociaux, hein? Nous sommes tous invités à parler de Jésus-Christ et à nous remettre sur le droit chemin. Les réseaux sociaux ne sont pas là pour nous insulter, nous, enfants de Dieu. Les réseaux sociaux sont là, Dieu a permis qu'on puisse avoir ces moyens de communication pour qu'on puisse nous remettre sur le droit chemin.
Ce n'est pas pour la destruction, bien-aimé. Ce n'est pas pour affaiblir les âmes dans la foi. Ce n'est pas pour dévier les gens sur le chemin de Dieu. Non, les réseaux sociaux nous sont donnés parce que nous devons ramener les âmes à Christ, à notre Créateur. Jésus-Christ revient bientôt. Préparons-nous, bien-aimés, préparons-nous, protégeons nos robes de gloire. Protégeons, parce que cette robe de gloire, quand l'époux viendra, il ne veut pas trouver cette robe de gloire tachée. Il ne veut pas trouver une tache sur notre robe de gloire. Et c'est comme cela que nous irons vers lui. Et Zosalanga passi bandeko. Kobongi sa robe de gloire, ezakakate, o makamde na utoloba, ekobo, koko sa, o kosi mwansi na ekobo, ezape monte mamabe, ezape koyinana, entre biso, banana nzambe, ba chrétien. Ce qui n'a pas le bas, c'est ça pour ba chrétien. Parce que nana na mona na ngate ba musulman, ba zo finga na ba réseaux sociaux. Nana na mona na ngate ba bouddhiste, ba zo finga na ba réseaux sociaux. Mais biso ba chrétien na yebite, peut-être que to za la ka connecté na ba réseaux sociaux mon côté. Mais nana mona te bandeko. Mais biso tala ko tala tala ba réseaux sociaux na biso ko finga na biso na biso ko kotonga na biso na biso ko yina na biso to zongi sabato kaka na nzela. Soki botali be mission na nga na sala ka mingi mingi na bakaka ka to zonga na nzela. Mingi mingi na lobaka kaka to zonga na nzela parce que bit na biso za yango na photo zonga na nzela photo zala na bolingo hein photo zala na ko se soutenir entre biso na biso mabe so kezali ya solo to kobenga ngo mabe mais zate ke na yana banda ko boma yo na yana banda ko détruire yo te réseaux sociaux nzamba permettant ngo te to zala connecter na ngo po te to bunga non réseaux sociaux nzamba permettant to se connecter na ngo po te to zongi sabatu nanzela biso nyonso to zonga na nzela tango na kotala bato bazo koteya na kati ya mangomba c'est une émission anonyme bato bazo teya na kati ya mangomba oyoko boteya bato ndenge nini na kobanga nzambe ko préparer bato na royaume des cieux bino bozo teya na ko juger na kofingana na non bongo te basali na nzambe to teya na ko juger te na kofingana te parce que le seul juste juge, celui qui viendra juger l'église, c'est lui-même le créateur des cieux et de la terre. Yo sala mon sala na yo, te ya bampate, loba na bango bo banga nzambe, loba na bango bo keba, bo sala boye bozongisa boye bozonga na nzela, me ko banda ko juger te. Le jugement déjà c'est pas bon, on ne peut pas juger. La Bible nous dit de ne pas juger. Bible lobi loba, te ya oya koyoka, ayoka, oya koyoka te, nzamba loba boye, na tie mabe na malamu, nanzela na bino me na yebi kopesa bino ndakisa toli bolanda malamu bosala malamu priere nga na salaka yango na nzambe longola nga na mabe lingisanga malamu boyisanga mabe lingisanga malamu soki biso nyonso tozosala bapriere ndenge wana nzambe lingisanga malamu boyisanga mabe nzambe alingaka bongo moto azoboya mabe moto azolinga malamu kojije te kobanda kojije te oloba ke bango bakokende lifelo mama. Le juste juge, c'est Dieu lui-même. Yopo yo yambili kabona balobi yo kokende lifolo. Yopo zwi ozongi si lisusu. Ngai, nakota mateme na kanisi. Video wana bino ino sobo mwoni yangu. Basali na mkolo, bote ya batu liloba na nzambe. Bote ya mutu na mutu ase prepare az aze la mobali na yali bala. Oya za Jezi Christ. Oya za na nzela te. Nzamba wako sambi saye. Nzamba yoko sambi se yote ya kaka. E msupe bato yo zolo bake. E bako kendeli felo. So ki ba yoki enjo mateya na yo. Sanke olo bana bango ke bango. Bako yoka bako zonga na nzela. Meto banda kofinga na ba réseaux sociaux. To banda wana lobi. E wana zongi si. E wana batia mwa kutu ne misyo mwako natala ki. Yande konanga na Kinshasa atia ki e bekstri nyo somi bali. O wana lobi, o wana pe na kati ya eglise, ye pa te ya, zo te ya bandimi na ye te, ma zo zongi se la moto yo, o ya aloba kipo na ye. Me bandimi, eske ba ya ki ba yoka li loba nzambo yo kobongo la bango, o ba ko zele la Yesu Kristo, ou bien ba ya ki po ba yoka, ko jije na bino ondegi bozo sa la kati ya mangomba. Bozo mwana teke nzamba zo sepe la te, yangwana na zo ba likaba robe de gloire.
C'est une émission anonyme. Mais les deux serviteurs de Dieu, ceux qui sont au courant, peuvent voir, ils ont enlevé leur robe de gloire. Bah, ça a vraiment repentance. Parce que nous avons sali biso, alinga kabuzo ba bongote, alinga ba jugement, alinga ba division. Nous avons bolingo. Ce qui te montre que batouana bazo bunga biso to bon de la pona bango, nous avons mukola koya, azwa biso nyo soit kende na biso. Mais nous ne sommes pas là à aller donner cet évangile là aux enfants de Dieu. Oyo ba yebi baza enraciné te vraiment la parole. Olé bo prêcher bango lilo banzambe, bo prêcher bango repentance. Pour être tous la mobile à l'ibala, na ndenge yango longo bani, na ba roba peto, biso tozo traité, tozo prêcher bango, ba haine na ba division, les amalamte. La robe de gloire. Serviteur de Dieu, protégeons nos robes de gloire. Nous ne sommes pas là à juger les autres. Nous ne sommes pas là à juger les églises. Parce que Dieu ne viendra pas chercher une église. J'ai toujours dit, Dieu viendra chercher l'individu. Toute personne qui se prépare à l'avènement de Christ, toute personne qui se prépare ira au ciel. Toute personne qui se prépare à cet événement ira au ciel. Mais cette personne-là qui ne se prépare pas, il y a un problème. Nous avons besoin de l'église Songolote Bandeko. Nous avons besoin de catholiques, nous avons besoin de musulmans, nous avons besoin de bibistes, nous avons besoin d'individus. Ça veut dire que ce qui nous a besoin, à coutu aux apetos, à coutu robe, à coutu kitoko, à propre, à zuyo, à kenayo. Mais ce qui est le bien, c'est que, oh, tu nous sommes pas confiants à catholiques, tu nous sommes pas confiants à l'infini. Faisons attention à ce que nous faisons, à nous disons. Faisons attention à nos jugements. Et nous ne sommes même pas établis pour juger. Dieu est là, il viendra nous juger. Dieu viendra juger chacun de nous. Nous qui connaissons beaucoup, nous serons plus jugés. Alors, ceux qui ont l'ignorance, ça me semble que les cathés, Zalane Timouana Mouke, tout ça m'ongongo en Zambé. Protégeons nos robes de gloire. Bien-aimés, aujourd'hui, je voulais parler de ça. Je suis à votre écoute. Hein? Prochainement, nous allons parler d'autres choses. Mais en ce jour, nous allons arrêter par ici. Si vous avez des commentaires à faire, faites-les. N'hésitez pas, faites-les. Vous pouvez écrire. Je reçois beaucoup de commentaires en privé. Mais j'aimerais que vous écriviez. Hein, sur YouTube, hein, comme ça toute personne peut voir et vous pouvez aussi parler à une personne qui lit votre commentaire, comme papa Antonio Lee Malefe, il met aussi les versets bibliques. Vraiment, ça me donne vraiment la joie de voir les versets bibliques. Parfois, ngamo ko pena yeba kite na koti pe na tangi na teyami pe pa ya. Il y a des conabiso, Atila Kabiso, verset biblique, papa André Gonda, hein, les maris de maman Sylvie. Vraiment que l'Éternel et Dieu vous bénissent. Partagez nos émissions. C'est tout ce que je vous demande. Quand vous regardez nos émissions, veuillez aimer. Hein, appuyez sur le pouce. Et veuillez aimer nos émissions. Veuillez partager nos émissions. Vraiment que l'Éternel et Dieu vous bénissent. C'était votre sœur Angèle Miesi. J'aimerais aussi rappeler l'agence. La victoire express de notre papa Nguesse qui fait les transferts d'argent en Angola. Hein? Donc, vous pouvez l'appeler au 06 60 85 55 62. 06 60 85 56 62. Appelez notre papa et les transferts se fera en Angola, précisément à Luanda. Que l'Éternel et Dieu vous bénissent abondamment.